Yo tout le monde, c'est Felinksu. On se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Pokécraft, épisode 4. Alors, objectif, trouver une prochaine arène. Donc, je pense que je vais partir par là-bas parce que ben là, c'est là où je pense faire la ligue. Et là-bas, c'était la première arène. Donc, je me dis que peut-être, ouais, par là-bas, ça pourrait être sympa. Alors juste pour rappel, dans l'équipe, on a Otarlette, on a Masco, on a Ponchien, on a Zorouia. Pour l'instant, ceux qui sont sûrs de rester, c'est Masco. Voilà. Et donc dans les objectifs, on a eu de finir le jeu avec un Cramorant. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas mettre un Cramorant dans la team? Ça pourrait être pas mal, il faudrait juste en trouver un. Il faudra que je regarde comment il spawn et tout ça. Ça, c'est vrai que je n'ai pas trop regardé. Mais voilà, c'est dans les objectifs. Donc voilà, objectif de cet épisode, trouver le prochain village. Et puis, si je trouve des choses intéressantes, ben, vous les verrez. Donc voilà, et une fois que je serai arrivé au village, ben, on verra ce qu'on fait. Il y a quelque chose par là avec l'eau. Donc on va aller voir. À tout moment, on a quelque chose d'intéressant. On sait que c'est de l'eau, mais ça descend d'un genre de pic montagneux. Pistolet à eau. Ah. Baisser, ça c'est de la merde. Ouais, mais le plus intéressant, ce serait de continuer par là-bas en fait. Parce qu'en soi, là-haut, il n'y aurait rien. Après, il y a quelque chose qui brille au fond. Ah, on peut manger les baies aussi. Ah, ça, c'est un truc bien. Un truc qu'ils ont bien fait, c'est qu'on peut bouffer les baies, nous. Et ça, quand tu le sais pas, ben c'est pas. Tu ne le fais pas. Il est shiny. On va faire voir en joueuse. On va essayer de pas le tuer, hein. Parce qu'il est shiny. Mais du coup, avec le. Oh, du coup, je les vois d'hyper loin, les shiny. Et donc sac, bol, pokéball. Il est assez low là, je pense que je peux le capturer. Et le premier shiny, hein, on dit pas non. Ah non merde, il s'est libéré ce con. Le problème c'est que je peux pas l'affaiblir plus. Allez, tu rentres, tu rentres, tu rentres. 2, 3. C'est bon. On a notre premier shiny, hein. Écoutez, on prend. On prend, c'est un shiny. Clairement, je dis pas non. Ah, fuir. Y a quoi là-haut? Je sais pas pourquoi je suis intrigué par ce qu'il y a là-haut. À tout moment, j'ai une meilleure vue et tant mieux. Ok, y a rien. Par contre, il y a soit quelque chose là derrière. Il crevait comme un con. Hop là, j'ai failli crever un peu comme un con là. On essaye de remonter petit à petit. Il y a pas mal de bateaux quand même.
Des structures avec des bateaux, ouais, il y en a pas mal, je trouve. On va aller d'abord dans le Magikarp. Hop. Ici. Une canne à pêche. Des joyaux hauts, ça c'est utile. Des morues, c'est parfait. Au moins on a de la bouffe. On a de la bouffe. On a des joyaux hauts. Des joyaux glace pour plus tard. Une méga canne, ça sera mieux. Hop, on va quand même prendre une canne à pêche. La Béoran, on va la donner à toi pour quand tu vas te régénérer. Hop, hop, on va prendre la super canne, au moins on les a toutes. Les joyaux hauts, on les prend. Pareil pour la Poscaille. Les écailles cœur, ça peut servir pour plus tard, ça sert à rien. Grelocoque, c'est pour très jeune. On va le mettre à... on va le mettre à toi, toi l'abbé. Ici. Bouffe, bouffe, bouffe. Bouffe, 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 bouffe. Joyau, 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 bouffe, bouffe. Voilà. Et là, de toute façon, on n'aura rien. Normal. Donc on va manger tranquillement notre poisson. Je ne sais pas par où je pourrais. Je crois que je vois un village sur la carte. Ah non, c'est une faille. Bon, on va dans ce bateau et puis on verra ce que l'on fait. Pour l'instant, il y a pas mal de structures. Donc autant en profiter. Et ouais, il va falloir trouver quand même un village au bout d'un moment. Parce que c'est l'objectif de ce de cet épisode. Un bateau de croisière, quoi. Et on se croirait sur le Baratxuri, limite. Hop là. Hop. Plutôt pas mal. La chose est apparue dans un biome océan. Bonjour la chose. Bonjour. Alors, on va voir s'il y a des choses dans ce coffre. Ouais, des joyaux. Ça améliore les capacités des types O. Niveau bouffe, on prend ça. Niveau bouffe, on prend ça. On récupère les fils. Il y a pas mal de choses, n'empêche.
Hop là, joyau haut. Touk, touk. Pour le moment, c'est bon. On va juste faire chauffer ce qu'on a niveau poisson. Histoire de bien survivre, quoi. Ok. On va pouvoir dormir pour régénérer nos Pokémon, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on peut dormir à un moment? Donc le temps que tout s'achève. D'accord. Alors on a des infusions pour créer des cristaux d'ailleurs. Chose que je viens de remarquer. Est-ce qu'on a des tenues style... Je sais qu'avant on pouvait crafter des tenues. De l'améthyste et un artefact. Ok ouais non, ça va être trop galère à faire. Quand on voit tout ce qu'il y a à faire, voilà. Il y a les chaussures à faire pour sprint, les méga, les trucs comme ça c'est des pioches. C'est vrai qu'il y a les... J'avais oublié qu'il y avait tous ces trucs là. Et après il y a les différentes donc team, après il y a les différentes armures selon ce qu'on veut, les différents badges, les symboles. Les fossiles, enfin bref, il y a pas mal de choses. Est-ce que l'on peut voir? Voilà. On va dormir, on va soigner nos Pokémon, hein, c'est important. Hop là. On va récupérer ça, on va se mettre. Waypoint, bateau de croisière. Clairement, hein, je vais l'appeler comme ça ici. Histoire que si jamais j'ai besoin de bouffe, je sais où aller. Et du coup, ben il faudrait que j'aille par là-bas. Alors, re les gens! Bon, comme vous avez vu, on a eu notre premier shiny et tout ça hein, dans l'épisode. Je pense que on va s'arrêter là. On crafte juste un bateau. Et puis on continuera à chercher dans le prochain épisode un village. Parce que ça fait pas mal de temps là que je marche. On a vu quelques structures, on a vu un Latios, mais on n'a pas vu on n'a pas vu de village. Donc voilà, donc prochain épisode, on génère jusqu'à trouver un prochain village. On essaye de voir ce qu'on a. Et puis voilà. C'était Phoenixou, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Phoenixou. Ciao tout le monde. Bye bye.